Ça devait être un job comme les autres pour Lenny Cochen. Exactement comme les autres. Excepté que le boulot se passait au Omegaville. Il détestait Omegaville. Son soleil, son opulence, l'énergie était quasiment gratuite, contrairement au reste de la planète. La commande avait été passée par la veuve du Maccabée, classique. Elle impressionnait quand même Lenny avec ses airs de diva. Elle lui rappelait une autre femme qui avait oublié. La veuve avait un contact dans la police, ce qui lui donnait accès au lieu du crime et une inspectrice temporelle. Sur place, Lenny sentit quelque chose de trop familier pour que ce soit une bonne chose. L'inspectrice temporelle était une débutante. Les images allaient à coup sûr être dégueulasses. L'appartement commençait à changer de forme pour imaginer les différentes positions avant le meurtre. On cherchait les indices qui avaient disparu. Là, sur le parquet, l'ADN temporel d'une main. Elle avait été violemment arrachée. Ici, sur le mur, un impact de balle d'un calibre identifié. Alors ça, les flics étaient passés à côté, c'est sûr. L'ADN d'une plante exotique. Un érable, ça avait quasiment disparu avec le dérèglement climatique. Ça ne pouvait qu'avoir appartenu à la serre mémorielle de l'automne. Sur le chemin, Lenny avait des difficultés à se concentrer. Quelque chose ne collait pas dans cette affaire. Certains jours, il croyait halluciner, un déjà-vu trop fort pour être vrai, comme cette arogamie qu'il avait l'impression d'avoir croisé 1000 fois. Soudain, il s'arrêta. Il avait la sensation d'être suivi. C'était qu'un pauvre touriste comme lui, à les hanches gonflées, Lenny Cochen. Venant d'un coin de la serre, Lenny entendait les conversations à messe basse. Qu'est-ce que c'était encore que ce bazar? Que faisaient tous ces privés ici? Une jeune femme approcha Lenny en l'appelant par son nom. Il n'y avait que des Lenny ici, à part elle. C'est à cause des plantes, lui expliqua-t-elle. Ils produisent l'électricité d'Omegaville, mais tout ça a un coût. Les plantes ont pour effet secondaire de cloner une personne, encore et encore. C'est vous, Lenny. Comment savoir qui était le Lenny originel? En tout cas, sa tête était mise à prix et certains de ses doubles lui voulaient des noises. Lenny se disait que décidément, il n'aimait vraiment pas Omegaville. Non, vraiment pas.